Donc l'histoire se passe dans un village valaisan, autour de Montana, et elle implique trois complices. C'est des personnages un peu douteux, qui n'ont pas un casier judiciaire tout à fait vide. Alors elle, Marie-Thérèse Seppel, elle vient des Rémences, elle a épousé un homme de l'endroit qui s'appelle Nicolas Franier. Probablement qu'elle n'a pas trouvé satisfaction auprès de ce mari. Elle se trouve un amant qui s'appelle Barthélemy. Ensuite, l'affaire va tellement loin qu'ils décident de supprimer le mari gênant. Alors, ils inventent une histoire, enfin, ils construisent une histoire. Ils décident d'attirer le mari gênant sur le pont de Granges qui traverse le Rhône. Ils utilisent un complice qui s'appelle François Rey. Le pauvre Nicolas se trouve sur le pont et il est renversé par, on ne sait pas si c'est François ou si c'est Barthélemy qui le pousse dans le Rhône. On le retrouve, je crois, quelques jours plus tard. Et ensuite, les meurtriers, au fond, parce qu'il s'agit vraiment de meurtriers, ils sont dénoncés, ils sont enfermés dans la maison de force qui se trouve derrière moi. Finalement, le procès a lieu une année plus tard, en février 1842, et les trois personnages seront condamnés à mort. Cet événement a eu une résonance extraordinaire, hein. Non seulement à cause du public qui était très nombreux, je pense que ça fait réfléchir les gens, mais aussi parce que les journaux en ont parlé abondamment. Il y a tout un débat très nourri entre. Alors, les deux camps sont vraiment très tranchés. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle les conservateurs, qui pensent que la peine de mort fait partie de l'arsenal juridique et que l'importance des crimes commis par les trois personnes mérite largement la peine de mort. Je pense qu'il n'y a pas eu tellement de doutes là autour. Mais de l'autre côté, un camp probablement minoritaire mais quand même très actif, ce sont des radicaux, plutôt des gens de Martigny, et eux essayent de militer autour de ce procès contre la peine de mort. Le procès contre les criminels devient un procès contre la justice et on en veut à la justice valaisanne. On la trouve inhumaine, barbare. Comment encore trancher la tête d'êtres humains au fond? Il faut rappeler quand même que la peine de mort en Suisse a été supprimée 100 ans plus tard, en 1942. On l'a gardée juste encore pour les crimes militaires. Et puis officiellement, elle est supprimée en 1992. Il est certain que l'événement a eu une résonance extraordinaire. Je pense que c'est aussi en partie pour ça que des écrivains, des cinéastes se sont intéressés à l'affaire et qu'encore aujourd'hui, on a gardé ça dans nos mémoires. Ça fait partie de la mémoire valaisanne, du patrimoine de notre canton.